Ça a toujours été un rêve d'aller au plus haut niveau. Cet accident, pour moi, c'était vraiment un signe de la vie. J'ai été miraculée, quoi. Mes premiers souvenirs en ski, c'était avec ma sœur. J'avais 3 ans. Et je trouvais que le ski cross était une discipline spectaculaire. C'est des sensations d'adrénaline incroyables où on est au départ et on n'a qu'une chose en tête, c'est d'être devant, quoi. Mes objectifs, c'était championnat du monde, Jeux olympiques. L'année juste avant les JO de Sochi, j'étais en pleine préparation physique et j'ai eu un grave accident pendant une séance de muscu. Une rupture d'anévrisme. Et là, tu relativises et tu te dis j'ai quand même failli y passer, donc tu remets beaucoup de choses en question et être dans un bureau, assis sur une chaise toute une journée, c'était très difficile pour moi. J'ai fini mon diplôme et je suis allée enseigner à l'ESF pendant une saison. Et en fait, je me suis vraiment découvert la passion de l'enseignement. On va faire quoi ? Maintenant, je suis entraîneur des U10, donc les U10, c'est les 8-9 ans. Et c'est vraiment à cet âge-là qu'ils apprennent le plus. Je suis comme une deuxième maman avec eux. Il faut savoir être ferme quand il faut. Mais il faut aussi savoir les réconforter parce que même si c'est leur première course, parfois ils peuvent être un peu durs avec eux-mêmes et être très déçus. Il y a tous ces moments ouais, qui sont vraiment riches en émotions et que j'adore. T'inquiète, ça va le faire. C'est banane, trip. Ça passe tout seul, ok? T'as tout dans la tête là maintenant. Dans le groupe que j'ai cette année, à cet âge-là, c'est dur de dire lui, il sera champion parce qu'ils sont encore très très jeunes et je pense que tous autant qu'ils sont, si vraiment ils ont l'envie et la volonté, ils peuvent tous devenir champions. Ils ont encore vraiment la vie devant eux, quoi, donc c'est ça qui est génial.